Alors aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu l'évolution de mon Doris DT92. Alors j'ai un problème avec lui. C'est que j'avais utilisé, donc je n'avais plus qu'à toucher à CE2 Max AFG. J'ai donc été dans un magasin, par exemple chez moi, où ils vendaient des cartouches de CO2 à bas prix de deux marques différentes. Donc la première, de marque Swisscom, et la seconde, d'une marque allemande, qui d'ailleurs n'était même pas une marque, qui n'avait rien du tout sur la cartouche de CO2. Et donc j'avais commencé, mais avec tout le team, avec la cartouche de CO2 sans nom. Et concrètement, ça l'a niqué. Ça a niqué vraiment mon pistolet. La marque Swisscom, c'était déjà un petit peu mieux, mais en plus, au bout d'un moment, le pistolet passait tout seul en mode interface qui n'est pas ici, qui est toujours représentable. Le pistolet passait tout seul en mode full automatique. Donc en fait, j'ai pu montrer. J'ai plus les pièces sorts. Vous voyez, j'ai plus les pièces sorts. Donc ce qui fait qu'au niveau du blowback, c'est très très compliqué. Je ne peux mettre une ou deux billes à la fois. Enfin bon, voilà. Mais par contre, dans les pièces, il fonctionne toujours très très bien. Ça va faire toi, il n'y a rien spécial à part que j'ai voulu, enfin j'ai tiré les vitres. Et en les mettant, en fait, j'ai juste changé de place les petits boutons du soir. Ce qui n'est pas grave, alarmant en soi, il n'y a pas de problème. Par contre, j'ai perdu une petite patte qui permet de garder les deux petites pattes pour la sécurité, pour les mettre sur semi-auto et full-auto. Malheureusement, comment je t'utilise pas, quoi. Donc en fait, quand je l'utilise, je suis pas obligé de la mettre bien vers le haut, parce que sinon il se descend et parfois il s'en est. Donc voilà.